Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playlist de ce nouvel épisode de Mad Max. Comme vous pouvez l'entendre, chers amis, je suis complètement malade. Mais bon, il faut que je tourne, donc on va y aller. On va en profiter, c'est le problème des séries quotidiennes. Il faut en avoir toujours sous le coude. Comme vous avez pu le voir, les ferrailleurs de gîtes m'ont donné 280 ferrailles, ce qui est loin d'être négligeable. Bon, malheureusement, on a toujours rien de ce côté-là, hein, mais c'est pas grave. ici, d'accord, installé, là, il me faudra gros chargeur. Gros chargeur. Ah, d'accord, je l'ai pas encore acheté. D'accord, intéressant. Et au niveau du harpon, je peux passer au niveau suivant? Ah, de plus en plus intéressant. Quoi qu'il en soit, ah d'accord, elle est de niveau 2 je crois, regardez. En fait je crois que chaque engrenage représente un niveau ou une quantité finie, j'ai envie de dire peut-être. Vous savez, un niveau de finition. Donc là on a tout fait. Et on a des choses à faire là-dedans. Une pièce à chercher là. Là on a rien. Rien. Un sniper. Une course. Quelques épouvantails. Et ben on pourrait se faire les épouvantails et les deux courses. Plus le snipe. Et on verra ensuite ce qu'on pourra faire. On va partir là-dessus, chers amis. On va commencer par l'épouvantail qui est là, qui est loin. Ce qui fera qu'on aura peut-être un petit peu d'action sur la route. Ce qui peut être sympa, après tout. Alors. Ça va nous changer de zone un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Un instant. Lui, il voulait que je fasse une course. Et il voulait que j'en fasse une, genre... déplacement rapide. On va aller voir les différents endroits, parce que je sais qu'il y a un endroit où il faut aller avoir la jack pour pouvoir faire la course. Alors. Avant d'aller trop loin. Oups, je me trompe de bouton. Alors, course dispersée. Voilà, il fallait la jack. Ça m'intrigue. Je veux savoir. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose en fait? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais bon, elle est à faire, donc on va la faire. Appelez. Les mecs sont partis dans le mauvais sens. Appelez. Casse-toi. Hop. Allez, pousse. Ah, vous avez remarqué que la ligne rouge elle se barre de temps en temps? Pas sympa ça. Marrant, j'ai l'impression que la voiture est lente. Pas vous? Elle qui glisse beaucoup sur la route d'ailleurs. Oh, merci au Wokamon de passer dans ma rue. C'est cool. Juste pour vous dire comme ça au passage, chers amis, la tour qu'un ami m'a gentiment faite avec des pièces détachées, soit disant, hein, bon je reparlerai ça une autre fois. Si cette tour chauffe ma chambre. Mais littéralement, c'est-à-dire que elle augmente la température de ma chambre, du coup je vais d'avoir toujours la fenêtre ouverte. Alors, nous y sommes presque. Je pense qu'on va la voir, hein. Sans trop de problèmes même.
Hop les. Course dispersée. Victoire et légendaire, on a obtenu le saint. Je sais pas à quoi ça correspond, mais pourquoi pas. Oui. Ah, c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool. Je peux voir les autres concurrents, c'est vraiment intéressant ça. Donc on va aller se faire ce petit truc. Pied au plancher, littéralement oui. J'aimerais vraiment qu'il me donne mon V8 à un moment. Mais bon, pour ça il faut avancer dans l'histoire principale et je suis assez dispersé. Justement. Alors attendez-vous à ce que Fallout 4 soit un petit peu comme ça aussi, un petit peu comme Fallout 3 d'ailleurs. Je ne vais pas foncer dans l'histoire principale. Je vais prendre mon pied, je vais y aller doucement, quitte à ce que l'histoire principale devienne facile, mais je pense que ça va être scalé un petit peu. Mais oui, non, le principe c'est vraiment que je m'éclate le plus possible. Où ça? J'ai vu le flash, mais je vois pas le snipe. J'ai vu le flash, mais je vois pas le snipe. Là, c'est bon, je l'ai vu. Hop, viens par là. C'est con, hein. Hop, les, viens par là. Hop, les. Ça aussi, c'est fait. Ok, moi je file maintenant. On n'a pas le... Si on l'a fait. Oui, on ira chercher le pétrole, t'inquiète pas. Enfin, on ira péter le pétrole. Enfin, les trucs pour récupérer le pétrole. Pauvre chum. Il n'en peut plus. Alors. Speedons un petit peu. C'est joli par là, dis donc. Ce serait bien la prochaine zone en fait. Et du coup on va l'allonger, plus ou moins. Je pense que c'est ça. Oh, dis donc, c'est simple, c'est bizarre comme bâtiment là à droite. Alors qu'on allait voir ça. Bam! Double! Prépare la voiture. Oh là là, le bleu, ça fait vraiment bleu, bleu, bleu. Hein. Ouais, le bleu, c'est peut-être un petit peu trop bleu. Max, on va t'enlever ta peinture de guerre. Alors, certains voulaient le voir avec un petit peu de barbe. On va mettre ça comme ça. Mais c'est vraiment pour votre plaisir. Hein. Alors. Le prochain, on a une course à la mort ici. Le sniper là. On irait bien faire la course à la mort. Mais le problème c'est qu'on va atterrir ailleurs. Du coup je pense que je vais opter pour le sniper. Puis après on remontera et on fera les deux autres trucs là. Plus ça. Hop les. On va écraser un insecte, enfin une bestiole en tout cas. Le sniper on va faire comme pareil là, comme celui d'avant. On va le harponner puis on va l'emmener avec nous. Je pense que ça peut être sympa qu'il fasse quelques kilomètres avec nous. Alors je suis désolé, je suis complètement malade. Hein. Waouh. Vous pouvez tous remercier ma soeur. Un pouce vert pour ma soeur qui m'a refilé ça. Fais laisser à toute la famille d'ailleurs. Comme je sais qu'elle regarde pas Mad Max, on fout. Elle regarde aucune de mes vidéos. Saloperie. Alors, ne t'inquiète pas, je t'ai vu. Pourquoi il l'a pas pris?
Pourquoi il a pas pris le... Mais qu'il est con. Encore qu'ils prennent pas le... Le sniper directement, je veux bien. Et qu'ils prennent pas la tour. Tiens, viens par là. Hop les... 360, 720 même je crois. Alors vas-y, répare la caisse. Là pour le coup il a besoin, moi je vais boire un coup. Hop. Voilà. Bon. Mis à part ça, chum, ça va la forme? C'est un bateau? C'est un bateau. Là, c'est Pétroville. Oh mon dieu! Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est une pyramide. Ça va pas dans ma tête. Vaut mieux de voir dans la lunette de mes jumelles, hein, ça c'est clair. Ah, y'a un sniper là! Ah, j'avais pas vu, je crois que c'était trois épouvantails à la base. Alors, allons-y! Réduisons le niveau de menace, chers amis. Pour ce bon vieux JIT. Alors, oulala! Apparemment, je supporte très très mal le pétrole. À rouler dedans, en tout cas. Hop les, c'est fait. Ok, on devrait être bon. Aïe, la physique de ce jeu est parfois débile. Défense en mode guerre. Ouais mais je m'en fous, je fuis moi. C'est pas vous qui m'intéressez. C'est bien de faire péter le feu d'artifice hein, mais c'est pas vous qui m'intéressez du tout. Hein. Wouhou, y'a un truc là. L'aéromobile, chers amis. L'aéromobile. Tempête en approche, chercher un abri? Non. Pourquoi je chercherai un abri? Elle est pleine. Alors vas-y, répare la voiture parce qu'il va y avoir. Moi, il y a même temps de réparer la bagnole. Franchement, mène-toi. Parce que tempête en approche, moi je vais récupérer de la ferraille, chers amis. Bah, elle vient de par là? C'est marrant, je l'ai pas vu venir de par là du tout. Oula! Tu répares la voiture? Ah ah, je vois quelque chose d'intéressant. Je vois des choses intéressantes. Oula! Oula! Mais il va y avoir un Terminator qui va en sortir ou... Ou quoi? Parce que là je l'attends le Terminator, il n'y a pas de problème. Je vais bien t'ouvrir. Allez, oup. Hop hop, aïe. Aïe, je brûle. Ouvre la caisse. Parfait. Aïe. Ferraille. Ah non, t'en vas pas. Ah, aïe. Ah
Allez, bois, Max, bois. Aïe. Chum, répare la caisse. Répare la caisse. Oh putain. Oh putain. Ok, c'est épique. Oh la vache. Ah oui, là c'est pas une tempête de... Bah de merde pour le coup. Viens par là. Allez, viens. Viens. Viens, je t'emmène. On va sortir l'itinéraire de convoi. Aïe. Je prends plein la gueule. Oh putain, le convoi, le voilà. Oui, non, j'ai pas le temps pour le convoi là. Tu vois pas qu'il y a un, genre un gros problème? Ça, j'aime pas, vous voyez, quand je m'enfonce dans le sol, j'aime vraiment pas. Mais bon. Oui, je sais le principe, hein. Aïe, je connais le principe des... Non, t'en veux pas. Aïe. Ah. Ça pète peut-être un petit peu fort là, les gars. C'est pas que j'ai peur, hein, mais... C'est que je le sens mal, vous voyez, quoi. Oh, oula. Oh, bah tiens, on est arrivé au... Bah, continuons, alors, notre objectif. Hein. Ok, drôle de bruit à côté de chez moi, c'est cool. Falloir qu'il se taise, par contre. Oula! Putain, je crois que plus le manage de la voiture est important, et plus le manage de la voiture descend, plus Max se prend de dégâts à l'intérieur de la voiture. What? Pourquoi je l'ai laissé sur place? Bon, la tempête, elle peut se terminer là ou pas? J'aimerais bien qu'elle se termine, moi. Répare la voiture. Ah! Ah bon. Bon bah... Tant pis. Ok, là c'était vraiment douloureux. Mais alors genre vraiment douloureux. Alors... Du coup, au niveau de ma ferraille, j'ai combien? Ah bah j'ai beaucoup. Il me gonfle à m'afficher nouveau à chaque fois. Autant vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau exactement? Rien du tout. Rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller se faire, chers amis? Il nous reste... Ah oui, il nous reste... Bah tiens, on va aller se faire tout ça là-bas, là, dans le coin. On va aller se les faire comme ça. Wouhou! Eh oui, ma voiture est déjà mid-life. J'ai déjà pris des dégâts dans le nez, ça c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Bon, laisse tomber. Alors. Si on peut y arriver vite fait. Alors intentionnellement, je ne fais pas le voyage rapide.
Pour vous, l'épisode sera plus long. Bon. Je pense que vous vous en plaindrez pas. Oh oh. Boum. Ça commence à faire beaucoup de monde. Ok. Comment il s'est pris des dégâts lui? Il a perdu une roue bizarrement. J'ai pas compris comment. Peut-être dans l'explosion, je sais pas. Alors. Oula, mais c'est qu'on va s'approcher de très très près de Petroville, non? Ah non, pas tant que ça en fait, ça va. Ah si. Boum! Oh. Ah oui, c'est vrai, ça récupère automatiquement. Ah oui, c'est méga cool ça. Qui pète à boum. Une lorgnette crash plomb. Tiens. Voilà, c'est fait. Ok, ça c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ça c'est fait. Hop. Salut les mecs. Hop les. Bon. L'épouvantail. J'attends le convoi aussi, je l'avoue, chers amis. Je pense que quand j'irai faire l'épouvantail, je demanderai à ma chum bucket de réparer. Et on cherchera ce convoi. Ça peut être sympa. Alors, dis pas qu'il est tout là-haut. Oh la gueule. Surprenant. Oh, 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 je crois que je viens de voir comment qu'on monte. Oh là là. Si ça c'est pas l'éclat, chers amis. Allez, lance. Hop les. Allez, répare la voiture. Répare la voiture, t'as dit. My black fingers itch for sacred work. Hop les. Bon. Right here. Cherchons ce qu'on voit. Non. Oh. Le voilà. Intéressant. T'es prêt? On y va. Ça va faire mal. Hop les, salut les mecs. Alors. Coucou les mecs. Bam, dégage. Ah non. Alors. Rigolons un petit peu, chers amis. Rigolons un petit peu. Dégage.
Dégage. Ok. Bam. Aïe, ça c'est moi qui ai fait le con. Aïe. Mince, je me trompe de bouton en plus. Attends, je te file un coup de main. Ah, je peux pas. Non. Je peux pas réparer la voiture du tout. Putain de bagnole. J'ai joué au con, chers amis. Ouais, ouais, bah tu te dépêches. Ah, ça a fait avancer le temps. Non. Ah, j'ai la haine. En fait, la réparation rapide, ça avance le temps. Ah, j'ai carrément la haine. Fais chier. Ah, je suis vexé. On va aller voir là-dedans, alors, du coup. Non, je suis en colère. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Tiens. Tiens. Mais non, dodge. Toi, tu vas bouffer, mon pauvre. Hop. Sur la munition est pleine. Bien, 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 je t'attends. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Elle est cool, ta vie. Moi, j'attends juste qu'il repasse. Alors. Deuxième. J'ai vu la troisième là-bas. Et le projet maintenant. Faut que je trouve le fichu projet. Qui j'imagine est plus haut. Tout simplement. Ah non, c'est des munitions, tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors là, là, je, tu me surprends. Là, je, tu me surprends. J'aime quand tu fais ça. J'aime pas quand tu me fais chercher comme un malade, mais j'aime quand tu me surprends. Je reconnais. Je reconnais. Alors, bizarrement, le jeu indique là-bas. Ah, je l'ai pas récupéré. Merci. Alors. Soit il y a quelque chose que je vois pas. Oh, les revoilà qui passent en plus et je vais rater ça. Voilà, t'as demandé. Voiture, ça. D'accord. Bim. Bim. Et t'es dans le sable, on en profite. Retourne dans le sable. Bon, ça m'ennuie, je trouve pas la dernière pièce. Aff. Je retire ce que j'ai dit, les gars.
Et les filles. Ok, donc on a un nouveau projet à faire là-bas. Je sais que le truc est pas... Ils sont là-bas. On les voit, d'accord, on peut suivre en via le... Ok, intéressant. Donc si je passe là-bas, en ligne droite, je vais pouvoir les retrouver. Je me trompe ou pas? Non. Alors, on va les retrouver, chers amis, on va les avoir, parce que j'ai dit que j'allais le faire. Ok, on y va. Voilà, bim. D'accord, c'est sympa, ça. Le harponnage, j'avais déjà vu ça quelque part. Je l'avais pas encore fait. Mais c'est sympa. Ouh. Je traîne un boulet, chers amis. Dégage. Boum. Aïe. Dégage. Ah. Dégage. Putain, mais il insiste. Dégage. Hop. Ah là, ça réduit le nombre de véhicules. Hein. Ah, il veut plus que j'utilise mon truc. Raté. Là, je l'ai touché. Ok. Dans le convoi, il reste plus beaucoup de bagnoles. Eh hey. Arrêtez tes conneries. Ok, il veut pas l'utiliser le harpon. Il veut pas l'utiliser. C'est très bizarre ça. Dégage. Il veut pas prendre des dégâts, le mec, là. Voilà. Mais non, il va pas s'enfuir. Raté. Oh putain. Non. 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 Chers amis. Ah putain. Non. 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 Dépêche-toi, Chum Bucket, c'est toi qui crèves à la place du mec. Allez, 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 on y retourne, putain, monte. Allez, vite. Mais dépêche-toi. Oui, ils sont passés juste à côté, oh les cons. Tu es complètement... Bonne idée. Hop, voilà. Respectez mon autorité. Nom de Dieu, tant bien que mal, hein. Oh, mais c'est qu'il est stylé en plus celui-là. Installé à l'avant.
Oula. Aïe. Bam. Voilà, ça c'est fait. Bon alors du coup ça s'est nettoyé, là il y a la course, et eh ben on fera la course, chers amis, dans le prochain épisode, on va s'y rendre. Pendant ce temps, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager. Je vous invite aussi si vous souhaitez, et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne, hein, pour un contenu quotidien de 3 vidéos, avec un maximum de séries, en ce moment 6 séries différentes, pardon. Donc du Starbound, du Deadpool, du Robocraft, du Elite Dangerous, du Chroma Squad, du Fallout 3 et du Metal Gear. Donc, mais surtout ça c'est voué à changer forcément avec le temps. Donc on verra tout ça le moment venu. J'invite aussi à cliquer dans les liens qui sont dans le descriptif de cette vidéo, de cet épisode, de la série, vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et j'ai encore chié mon intro. Alors qu'elle était bien construite. Salut les gens. plutôt mon outro.